Bonjour, c'est Aurélien Sama pour la Zone Geek. Eh bien, nous sommes ici avec Aurélien à la Gameplay 2015, c'est bien ça? Oui, Aurélien Sama, je suis youtubeur minecraftien belge sur Minecraft. Il est belge, et ça c'est bien? Oui. Il n'y en a pas beaucoup? Non, il n'y en a pas beaucoup, tu peux les compter sur le doigt d'une main en fait. Surtout ceux qui sont connus. Bon, il y a plein de gens qui jouent à Minecraft forcément en Belgique, mais... ceux qui font du YouTube, c'est autre Alors, chose. Alors, sans présenter le phénomène Minecraft qui est immense, pour résumer Minecraft en quelques mots. Bac à sable, créativité et PVP maintenant. Voilà, coup. Vous avez compris, c'est un peu comme jouer à Pyramide, ce jeu qui existait dans les années 90, puisqu'on est en Belgique. La meilleure comparaison de Minecraft, c'est les Lego. C'est le Lego digital. Voilà, les Lego digitaux, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, tu es de Belgique, tu viens d'une province qui s'appelle Luxembourg. Oui. On en parlait en dehors des caméras. Il y a une foire agricole, c'est bien ça? La foire agricole de Libramont, ouais. Voilà, la foire agricole de Libramont. Est-ce que tu as déjà créé, parce que le but c'est de créer des univers, notamment dans le jeu, est-ce que tu as déjà recréé la foire agricole de Libramont en version Minecraft? Non, jamais. Est-ce que c'est un défi qu'on pourrait te lancer maintenant? Ça pourrait être un défi, ouais. Mais ça prendrait beaucoup de temps déjà, parce qu'elle est quand même grande, hein. Et je suis pas trop doué pour faire des tracteurs avec des cubes en fait, donc ouais. Alors comment est-ce que tu as commencé simplement? C'était donner des tutos et des conseils aux gens sur Minecraft? J'ai commencé en fin 2011, je faisais des maps Minecraft. Donc je faisais du terraforming qu'on appelle ça, avec des outils de terraforming. Je faisais des îles, des montagnes et tout ça. Et j'avais envie de montrer aux gens mes créations. Et du coup je me suis dit, je vais faire des vidéos pour les montrer, c'est plus facile. J'ai commencé à sortir des vidéos, donc c'était des vidéos sans commentaires, c'était juste avec un peu de musique, je volais dans la map et puis je montrais quoi. Et j'ai fait ça pendant plus d'une année, et puis j'ai demandé à un de mes amis qui s'appelle Bill Silverlight, il y a un autre youtubeur minecraftien mais français, si je pouvais rentrer sur le serveur Feed de Patrick. D'accord. Et j'ai commencé les let's play Minecraft à proprement parler. Et maintenant, je continue tranquillement. Tu continues à voguer tranquillement, voilà. Sur du Minecraft. Alors, quel est ton projet le plus fou à Minecraft? J'ai fait une map de 3500 blocs par 3500 blocs en terraforming, ce qui correspond à une map en gros de 3,5 km par 3,5 km. D'accord. Et qu'est-ce que tu y as mis surtout? Des îles, des montagnes, des arbres faits à la main et tout ça. Enfin... Est-ce qu'il y a des barres? Non. Non, il n'y a pas de barres. Oh. C'est que du naturel. Ah, c'est un bar naturel. Voilà, mais c'est bien. C'est bien aussi. Hein. Et quel est ton projet actuellement maintenant? Mon projet actuellement, ouais. C'est continuer. Je suis sur un serveur Vanilla, ouais. Qui s'appelle Holycube. On est à la saison 2. Et mon projet, c'est de terminer ma base personnelle là-dessus. Donc ma base personnelle, c'est... J'ai fait une énorme maison moderne sur une montagne. Et je vais faire une base souterraine en dessous avec plein de complexes et tout. Alors Aurélien Sama, où est-ce qu'on peut aller retrouver toutes tes vidéos? Sur YouTube, je suppose? C'est sur la chaîne Aurélien Sama, tout collé. Super, Aurélien Sama. C'est Aurélien Sama, ou sinon vous tapez Aurélien Sama sur YouTube et vous trouvez directement. Alors moi j'ai un défi à te poser pour l'année prochaine éventuellement. Ce serait de créer une carte Minecraft liée à la Zone Geek. Donc je te laisse un an pour découvrir nos vidéos et essayer de cibler notre personnalité et faire une carte Minecraft Zone Geek. Je vais faire un pénis géant alors, d'accord? Oh, c'est bien, tu as ciblé tout à fait notre mentalité, c'est bien. Voilà. Merci. Ce sera facile en plus. En cube? Oui, en cube. Une histoire de... Cube. Voilà. Merci. De rien.